Bonjour à tous. T'as raison, Eva. Alors, ici, vous êtes sur Kidul Conso. On est entre amis, en famille, et surtout, on attend de vous des likes et du partage. N'est-ce pas, Eva? Oui. Et surtout, aujourd'hui, on vous emmène dans une exclusivité à Mini-Europe, dans le parc Mini-Europe, car aujourd'hui, Mini-Europe a été choisi en Belgique pour le lancement des mini-figurines Barbie. T'es contente, Eva? Oui. Alors, on va aller voir ça de plus près, et surtout, c'est une exclusivité sur Kidul Conso, une fois de plus. Allez, like et partagez les vidéos et go pour l'aventure! Hé, venez! Merci! Voici le guide et voici les champions pour la vidéo. Ça a beaucoup de choses à voir, hein? Merci! Vas-y, au revoir! On a reçu le guide comme tous les visiteurs, mais Eva a reçu une exclusivité. Fais voir. Elle a reçu l'échantillon. Ce sont les nouveaux packaging, les nouveaux jouets Barbie à découvrir dans le parc Mini-Europe. Et ce jeu va faire gagner plusieurs personnes en exclusivité, car c'est de la promo pour Barbie que Mini-Europe est en train de faire. Et c'est une grande première, aussi bien pour Barbie que Mini-Europe. Alors, on va aller découvrir ces mini-figurines. Fais voir, Eva. Comme tu as fait voir. Toutes mini. Ah ouais, elles sont toutes petites. Et regarde là, vous remarquez bien, c'est l'avion. L'avion Barbie. L'avion juste là. Voilà, refait, reproduit en version mini action figure. Alors maintenant, cours dans ton magasin préféré pour les achats. Et Eva est en train de regarder tous les bateaux, car aujourd'hui il fait super beau. Et on a une très belle vue sur Mini Europe. Regarde ça. Toute petite Barbie, regardez, elle est vraiment petite cette Barbie, hein. Une de trouver. Et j'en ai trouvé une juste ici, et elle est là-bas, mais il y en a une autre juste ici, mais ils ne disent pas. Celle-là, les deux, ils sont là-bas, dans le balcon. Alors les amis, pendant qu'Eva est partie à la chasse Barbie, moi je me suis attardé sur le blister. Et on peut noter deux, trois petites choses sur le blister assez sympathiques déjà. On va commencer. Il nous indique clairement sur le blister qu'il vaut mieux faire de la récup, il faut mieux faire de l'échange, du troc. En clair, ils nous disent donner ou recycler. C'est cool quand même, c'est indiqué ici. Donner ou recycler. Donc ça, c'est super sympa. Ils nous préconisent aussi de faire du recyclage papier, bien sûr, logique comme tout le monde. Voilà, ça c'est indiqué. Mais le donner recycler pour le jouet, je ne l'avais jamais vu avant. Et ça, je trouve ça sympa. Ça, c'était le point positif. Le point négatif, quand on s'attarde sur le jouet, eh ben, pour un vieux comme moi, vintage, avec l'avion Barbie dans le musée et plein d'autres accessoires, je trouve que c'est du jouet un peu cheap. Alors, attention, je vais me faire des ennemis. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que ce n'est pas ma tasse de thé personnelle. Eva, elle, elle a kiffé, elle a adoré. Et aussi, on peut noter dedans, dans ce jouet, l'opportunité de l'emmener partout, dans la poche, et on peut éventuellement le perdre, car ce n'est pas excessif. Là, on peut compter dans les 6 à 8 euros maximum. Bon, ça reste un petit budget. Mais j'aurais mis plus de finition. Ouais, l'avion est vide. Et puis bon, c'est qu'un avion avec une petite figurine.
Alors la figurine, on va la voir de plus près. Alors, à Mini Europe, il y a du monde, hein, ça crie dans tous les sens. Donc c'est un parc et c'est tout à fait normal. Mais moi, je me suis amusé à ouvrir un pack figurine et regarder cette petite figurine. Alors, elles sont quand même pas totalement rigides. Voilà, elles peuvent se plier. Voilà, c'est petit, c'est fin, vous l'avez vu sur les vidéos lors de la chasse que Eva est en train de parcourir dans le parc. Elles sont super petites, quoi. C'est du micro. Alors oui, effectivement, ça peut ressembler à du micro-machine, mais moi j'ai l'impression que le micro-machine à l'époque, pour nous collectionneurs, c'était mieux fait, mieux fini, il y avait même du métal. Alors voilà, c'est tendance, c'est un peu version cheap, mais on aime, on like, on partage, sinon on n'aurait pas fait cette vidéo. Mais pour les collectionneurs avertis, je pense que là on va garder le blister en main et on va continuer et voir Eva ce qu'elle en pense. Attention les amis, c'est une vidéo exclusive à Mini Europe Bruxelles, rien que pour vous, avec Idul Conso. Alors Eva, ça te plaît la chasse à la Barbie? Oui, on a trouvé 8. Et puis voir là, ta feuille, alors comment ça se passe? Alors, on a des photos, et on a des indices, et on les cherche. Et celle-là, c'est et le camion qu'on vient de trouver. Le camion, juste ici. Et juste ici, regardez les amis, il est là devant nous. Juste là. À côté des petites feuilles, à côté de la feuille rose là, à côté. Nous avons passé une bonne partie de l'après-midi à faire la chasse aux figurines, aux véhicules et aux objets Barbie dans le parc Mini Europe, et franchement Eva, elle en est très heureuse. J'ai trouvé juste ici en haut. Hey, il y en a 3 en plus. Ouais, il y a une Barbie juste là-bas dans la gondole. Ouais, on a trouvé la dernière Barbie, on a gagné! Et maintenant, Eva? Venez tous au musée de jeux vidéo et de jouets. Ici. Ici. Alors Eva, qu'est-ce que t'en as pensé de cette balade, cette chasse à la Barbie? C'était original. Oui. T'as aimé? Oui. Si t'avais l'occasion, est-ce que tu voudrais qu'on t'en achète des blisters comme ça pour avoir les figurines Barbie ou pas? Oui!